Yo, bande de Roger, ici le Matt, ici le commandant. Ouais, le commandant sur un jeu assez particulier puisqu'il s'agit de Just Cause 2. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais poser le truc maintenant. C'est une sorte de dérivé de GTA en mode complètement what the fuck et bien plus explosif et incohérent, hein, faut le dire, il y a des trucs complètement incohérents. Qui est sorti il y a... ça doit bien faire 5 ans, ouais, je sais plus. Un bon truc comme ça. Je vous ai déjà fait une vidéo avec Roger sur le multi, mais j'avais envie de vous faire un placard Steam sur le solo, hein, tout simplement. Pour avoir encore du contenu, plus de contenu. Non, c'est juste que j'ai envie de faire tous les placards Steam en série là en ce moment. Du coup voilà, hein, il a traîné, il était installé. Je me suis remis dedans un petit peu il y a pas longtemps, il y a genre un mois. Et puis avec l'arrivée de la cinématique de Just Cause, avec la cinématique de Just Cause 3 qui va bientôt sortir, ça c'est la hype complet. C'est assez extraordinaire. Hein. Voilà, donc on va se balader un petit peu dans le jeu, hein, comme à chaque placard Steam, hein, je vous dis les rudiments du jeu, et puis bref, voilà, hop, voilà, prise de risque, moi je fais des petites cascades et tout. Du coup, j'aurais bien aimé me cracher sur le commandant, hein. Donc c'est une map qui est très très ouverte, je pense que c'est une des maps, elle fait partie du top des... je l'ai eu ? Sûrement. Elle doit faire partie du top des maps les plus grandes. Certainement, hein, parce que je vais vous faire un petit aperçu. Voilà, c'est tout ça. Et donc, nous, si vous voulez, on a parcouru ça, là, en avion. Voilà, donc c'est pour faire simple. Je suis en full graphisme. Je crois que je dois être au max, hein, c'est pas très compliqué. Il est assez vieux, le jeu, quand même. Vous voyez que niveau cohérence de la gravité, bas les couilles, j'ai des parachutes à l'infini, je plane, je m'agrippe avec le grappin qui est quand même la particularité de ce jeu, du personnage. Donc là j'écris vraiment pour ceux qui connaissent pas, hein, parce que honnêtement je pense que tout le monde connaît. Enfin il y a une personne sur deux qui doit connaître je pense. Bon là je fais actuellement n'importe quoi. Parce qu'en fait je crois que je devais aller tuer un mec mais du coup je schnapps. Du coup il y a une moto là-bas. Allez voilà la chie. Il m'aura jamais! Waouh, putain, quelle moto de merde! Bon, bref. Alors, une map très ouverte. Une histoire qui se répète, on va dire, entre chaque Just Cause, si j'ai bien tout suivi, hein, quand même. C'est que vous arrivez sur une île, vous êtes un espèce d'agent. Un agent, hein, pas, comment on dit, pas secret, mais. C'est un peu une force spéciale, le mec, tu vois. Je sais même pas si... Non, je crois qu'il travaille pour le compte de l'État. Je sais plus s'il était indépendant ou pas. Qui s'appelle donc Rico. Qui est complètement skillé. Hein, skillé, j'ai bien dit skillé. Hein, parce que le mec maîtrise tout, il vole, il a des parachutes, un grappin. Donc ce grappin qui est tellement essentiel au fun de ce jeu, quoi. Il y a vraiment des... Ah bah il est là-bas, le colonel. Hop, on va aller le chercher. Ce grappin et ce parachute qui sont tellement essentiels. Merde. Vilain! Vi! Ok, là je vais mourir actuellement. Non! Ninja! Oui, c'est ce qu'on appelle une prise de risque. Coucou. Ok, je sais plus si on peut s'abaisser. J'avais pas. Ah, voilà. Ah, ouais. Tac. Bon, bah voilà. Oula, non! Ce bruit tellement unique pour la mort et le mec s'éclate par terre. Bref, on va continuer. Hein. Donc, il y a une espèce de système de complétion. Je vais appeler ça comme ça hein, parce que je n'ai pas vraiment de vrai nom. Tiens, une petite moto là. Un système de complétion dans chaque ville. Vous voyez les pourcentages à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on détruit, parce qu'il y a plein d'éléments à détruire, plus ou moins importants. À ce niveau de jeu, on doit pas avoir des missions très extraordinaires, mais on va quand même en faire une ou deux. Donc on va choisir un point et puis on va y aller. Comme j'ai fait au début, il y a des espèces de courses. Ah bah voilà. Voilà, Bolo Santos. Ah bah nickel. Tigre blanc. America. Oui voilà.
Donc je disais, on arrive sur une île qui est... Et que je suis prêt à payer pour ça. Ok. Donc oui, on arrive sur une île. Ici c'est Panao. Ça me rappelle, ça m'a toujours rappelé le Danao, mais bon bref, c'est pas très important. Donc Panao. Panao, donc qui est l'intégralité de toutes les petites îles là, des archipels. Et qui est dirigé par un espèce de tyran, enfin un slash, c'est un peu des pays du style le contrôle par la force, la milice, tout ça. Vous voyez si vous avez fait quelques cours d'histoire. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Je cherche l'aéroport. Attendez, ce serait rigolo d'aller chercher un avion. Normalement, il est là. Hop. Voilà. Et donc nous, on doit s'occuper de démanteler le réseau et d'enquêter sur ce que nous proposent les gens, quoi. Il y a trois factions différentes dans celui-là, donc qui ont chacun leurs idéaux, mais c'est pour s'infiltrer et glaner des informations, qui proposent toutes leurs missions, voilà. Vous pouvez voir que quand même, ce jeu, il a beau être vieux maintenant, enfin il est vieux. Vous savez quoi, de toute façon, c'est pas très important l'hélicoptère, je vais regarder sur mon téléphone. Tiens, il y a Dark Moon qui m'envoie des messages. Donc, ce jeu, il doit dater... Ah, Pierre Bonhomme qui s'est... Wait, what? Ok, alors là, j'avoue, Mastabug. Alors, en exclusivité... Alors, putain, alors ça, je l'ai jamais vu, je crois. What the fuck? Il y a un petit souci graphique, là, les enfants. Les enfants. Ah bon. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Ok, bon, ça, j'ai jamais vu. Je disais, oui, il est sorti il y a un moment, mais il reste assez beau, hein. Il y a des belles couleurs, certes un peu plus surréalistes, mais les nuages sont pas dégueulasses. L'effet de profondeur est joli. Il n'y a pas beaucoup d'aliasing. Franchement, il est assez sympathique, hein. Alors, Just Cause 2. Hop. Just Cause 2, il est sorti, s'il te plaît. Non, tu t'en bats les couilles de me donner une date. Ah bon, d'accord, je ne savais pas. Il n'y a pas d'autres hélicos, là. Ouais, je fais le pari qu'il y a un hélico. YOLO. Si on n'a pas, on prendra une voiture. Alors, sorti. Oula, attendez. Je vais même pas regarder, du coup. Oh, wait, what? What? Qui me tire dessus? J'ai vu mon hélico partir en couille. On entend un boom. Bref. Alors, du coup, je me retrouve sans rien. Oula, voilà, wait. Wait, wait, wait. Oui, bon, on va essayer de retrouver la ville. Hein. Retrouver, vous m'avez compris. Il y avait un avion, on aurait pu s'accrocher, ça aurait pu être stylé. Ah oui, je vais vous montrer un truc assez spécifique avec les statues, ça m'a toujours fait rire ça. Faut qu'on trouve une bagnole par contre. Faut qu'on trouve une petite bagnole. Oula. Oula, oui. Comme je vous disais, hein. Ah, toi, nickel. Hop. Au revoir. Ah bah, en plus, elle va vite. Nickel. Alors, comment on dérape déjà? X. Voilà, hop. On se met sur la voiture, on l'accroche. Allez, on va prendre sa tête. Je l'ai eu? Ah non, je crois qu'elle est pas assez lourde. J'ai l'impression qu'elle est pas assez lourde pour pouvoir tirer la tête, mais normalement avec un 4x4 ou un tracteur, c'est on ne peut plus possible. Ah si, je l'ai eu! Je l'ai eu! YOLO! Oula, 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 oula. On va peut-être la décrocher. A plus! C'est une conduite très arcade, hein. Limite, des fois, un peu trop. Oula, oula, oula. Attendez. Ah, et là, il y a mes potes, ils sont venus m'aider, vous voyez. Il y a une faction qui contrôle cet endroit. Et du coup, ils sont venus... Ah bah, attendez. Non, non, retourne pas dans celle-là. Prends celle-là. Voilà, ils sont venus m'aider. Et du coup, je peux m'échapper. Alors, on va essayer de dégager un itinéraire. Je veux aller là-bas, donc il faut que je... Bon, je vous avouerai que le...
Attendez, comment on zoome déjà? Oui, d'accord, je suis au maximum du zoom. Ok, je vous avouerai que la mini-carte est pas super bien faite, mais bon. Faut pas avoir l'argent du beurre, le beurre et la culotte de la crémière, comme disait l'autre. Waouh, waouh, waouh. Par contre, qu'est-ce qu'elle glisse, ça, c'est un truc de fou. Oh, mais non, attendez, j'ai une meilleure idée. Par contre, faut qu'on soit en... J'ai une meilleure idée. Faut qu'on soit en calme. Parce que on peut activer aussi le marché noir, en fait. Et du coup, comme ça, on peut être... on peut se faire livrer des équipements. Donc, normalement, ici, ça devrait passer. Sinon, ce sera très failesque. Voilà, j'appelle le marché noir. S'il veut bien me répondre. Non, tu veux pas? Ah, voilà, c'est bon. Non, c'est pas bon. Attendez, wait, what, comment ça marche déjà? Non, il a pas envie ici. Il a pas envie. Bon, en même temps, tu me diras, il suffit qu'on trouve une voiture rapide et on peut y aller direct. Hein. Voilà, regardez, on l'a retrouvé. Hop. Il y en a partout des comme ça. Bref. On va essayer de pas aller trop vite, sinon... Mais barre-toi! Ah bah voilà! Même Rico, il l'a dit. Non, en vrai, on ne peut pas conduire cette voiture, c'est pas possible. Elle dérape dès qu'on tourne un petit peu, quoi. Bon, c'est pas grave, on va la foutre dans un fossé, on va aller à fond. Ah, ça y est, quand... Ouais, bon. Ouais, c'est quand même vachement inconductible. Hein. YOLO! Ouhi! Oh putain! Ouais, mais voilà quoi! Si on monte sur un trottoir. Allez, slide et tout. Hop, trick. Si on monte sur un trottoir et qu'elle s'envole, merci quoi. Mais oui, donc je vais pas trouver la date du coup, parce que je. Là, j'ai pas vraiment trouvé la date, mais j'aurais dit 2010. Alors peut-être. Entre. Attendez, j'étais en quoi? Je sais plus, j'essaie de voir en quelle classe j'étais pour faire une... Putain, le pauvre tuk-tuk. Pour faire une analogie, mais... Waouh, je suis nul. Bon, 1 km, on est bientôt, je reconnais. Scooter de merde, mais non! Mais je trouve que c'était quand même un des meilleurs jeux de l'époque, hein, et il reste encore bien dans mon top. De par sa grandeur, ses activités, son fun, tout, hein, c'est vraiment complet. Hein. Alors, est-ce que ça passe? Est-ce que j'ai assez de vitesse pour passer en... Je l'ai eu? Attendez. Est-ce que je l'ai eu? Je l'ai eu. Ok, on va se cacher ici. Même si normalement, quand on arrive dans l'aéroport, c'est un peu rodé. Il nous faut un truc rapide. Oui, alors, il y a toujours des voies qui sont à côté de vous, hein, mais vous inquiétez pas. Il me faudrait un véhicule rapide, parce que un avion de ligne, c'est rigolo, mais... Il y a que des avions de ligne. Bon, si je me le fais pas détruire avant... Si je me le fais pas détruire avant. Quoique je sais plus en fait. Écoute-moi mon ami. Ah. Celui que tu cherches travaille avec des rebelles. Oh, en attendez. Cœur de la jungle. Attendez, j'ai une idée. Ils sont menés par un certain tigre blanc. J'ai une petite idée rigolo. On va voir si ça fonctionne. Et normalement, je me rappelle que c'était possible. Attendez, est-ce qu'il y a une marche arrière là-dessus? Bon, j'ai pas l'impression. C'est pas grave. Voilà, le mec rentre comme ça, il n'y a pas de souci. Hop. Hop. Comment on fait pour courir déjà? Ah d'accord, ouais. C'est à dire que le mec on voit pas la différence, mais bon. Voilà, le mec arrive à sauter ça, hein, ça déjà les mecs ils se... Je pense que quand ils ont développé le jeu ils se sont même pas posé la question de est-ce que c'est possible. Ah,
Il a pas l'air de vouloir démarrer. Non, bon, tant pis. Sérieux, c'était possible pourtant, c'est bizarre. Bref. Bon, cette vidéo va durer assez longtemps quand même. Hein, parce que... déjà, parce que j'en ai envie. Et que en plus, c'est un placard Steam, hein, c'est assez libre. C'est histoire de jeter un coup d'œil au jeu auquel j'ai peu ou pas joué, même si celui-là je l'avais fait plus sur Play. Mais bon, bref. Alors avant de décoller, on va se fixer un objectif. Ah bah là, il y a une mission de faction. Oui, bah on va changer d'un peu de devoir. On va faire... Attendez. Dompter la bête. Et là... Allez, débat... Et là, quoi. Ah, ça va être rigolo. Hop. Je peux rien accrocher à mon avion. Attendez, si on décolle assez vite, on peut peut-être aller vers l'autre avion et l'accrocher. Ok, bah d'accord, non, j'ai rien. Allez, décolle. Décolle. Putain, je suis à gauche. Tu es à droite, tu es à droite, tu es à droite. Décolle, ouais, gros. Attendez, on va visiter l'autre avion. Si c'est possible. Non. C'était une manœuvre contrôlée. Parfaitement. Le mec, ça y est, il ressaute sur l'avion, tu sais. Il a pas de pression. Je veux intercepter cet avion. Je l'aurai. Putain, il va vite ce con. Mais là, je m'approche, je le sens. Faut juste que je me cale à la même vitesse. Et à la même hauteur. Là, c'est pas mal. À moins qu'il atterrisse juste après, mais... Et là, là, on est pas mal. Vous voyez? Oula. Merde. Merde, il est où? Merde, il est trop. Remonte. 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 Mais non, pas du tout. Il s'est rien passé, monsieur l'agent. Wait the fuck. Wait the fuck. J'ai même pas compris comment on s'est pas touché. Ok, là je suis bon là. Je l'ai eu? Non. Je l'ai. Ah, il a cassé le fil. Bon, tant pis. C'est désastreux. YOLO. Bah les couilles. Oh non 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 non. Ah putain. Ah, c'était pas calculé du tout ça. Ah, quel débile. En plus de pas savoir conduire. J'ai vu l'aile arriver, j'ai eu peur. Ah, ça c'était épique. C'est des scènes comme ça qui me font rire. Ah là-bas, il y a une station, un héliport, on va voir. Par contre, ça, c'est des trucs, ils sont armés. Ils ont des anti-airs, des solaires, je crois que ça s'appelle. En principe, hein. Oh, j'ai encore une meilleure idée. Attendez voir si j'arrive à faire ça. Ok, ça marche. J'espère que j'ai assez d'argent. Véhicule. Silver Bolt. 30 000, ça coûte. Nickel, allez. On va cibler le livre sur la plateforme. Yeah! Non! Putain. Non, 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 vite! Décolle, 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 décolle! Ouh! Non, non! 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 Ah, je me sens triste. Ah, j'ai balancé 30 euros comme ça, là. 30 000. Bon, là, ça démarre, là. On est d'accord, là. Là, ça passe. Hop. Allez. Tu peux le faire. Putain, 60 000. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai tiré un coup sans le vouloir. Parce que j'ai cru qu'il était déjà dans l'appareil, quoi, quasiment. Oh, ce décollage infime.
Oui, c'est infime. Faites pas chier. Alors, hop, on va dévier celle-là. Comme ça, vous aurez vu un peu la neige. Puis on fera peut-être un tour par le désert aussi. Ah, par contre, attendez, est-ce qu'ils vont m'attaquer? Non, je passe tranquille. Ouais, c'est bon. Ah, si, 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 ils m'attaquent. J'espère qu'ils ont pas balancé les missiles. Bon, on dirait que c'est bon. C'est bon, c'est bon. Wouhou! Bon, quand même pas trop faire le con, hein. J'aime bien faire le con, mais là, j'ai pas envie de repayer un truc. Ok, nickel, ça passe. Ça passe, ça passe. On y arrive bientôt. On va quand même faire un peu de Razmoot. Allez, je surfe sur mon avion. Ah bah il va arriver nickel, regardez. De toute façon, oh quoi qu'on va essayer de le garer, peut-être, ça peut être rigolo. Attendez, 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 on va faire ça bien quand même. On va essayer de le garer. Hop, 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 on freine. On décroche. Bon, bah je suis plutôt content de moi. Non, mais arrêtez vos conneries. Vite, vite, ok. Moi j'étais content de mon... J'étais content de mon petit atterrissage et tout. Et puis eux, ils me disent quoi, c'est pas rigolo. Je leur dis très bien, c'est pas rigolo, mais faut pas... Faut arrêter quand même. Bon. Bon. Est-ce qu'il y a une marche arrière sur ce truc? Non plus, hein. Donc du coup, on va feinter. On va feinter. On va feinter, on va feinter, on va feinter. Oui, ceci est une feinte. Faites pas chier. C'est une feinte. Parfaitement. Putain, je vous ai dit que c'était une feinte. Puissance maximale. Bon, ok, ceci n'est pas une feinte. Et puis bordel de merde, on s'en va. Hein. Alors, on prend la voiture des flics. Non, mais non. Mais non. Bon, tu sais quoi, toi? Toi, tu viens à la maison. Merde. Merde, c'est pas toi. C'est la moto que je voulais accro... Oh bah, tu sais quoi? Bah, tu viens avec moi. Il est en roue arrière, le mec. Regardez, attendez. Il fait chier lui. Oh oh, oups. Oups. C'est mes potes en plus. Bon, je trouve ce... Je sais pas. En fait, ce jeu, rien que le grimpin, ça apporte tellement d'éléments de gameplay, je trouve que... Ah. Ouh, la moto. On va peut-être prendre la moto, hein. C'est plus judicieux ici. Hop. Bon, c'est pas la meilleure, mais ça devrait passer par là. Ah, ah bon, d'accord. Bon, 400 mètres, on y va en volant, hein, c'est bon. Oula. Ah, wait, wait. Je crois que j'ai balancé une grenade. C'est pas grave. Hop. Hop, hop, hop. Ça fait déjà 24 minutes si je m'en fie au chrono. Merde, j'ai balancé une grenade. Bon. On repassera pour la discrétion. Hein. Hop. Oula. Alors, le jeu a bien crashé, hein, c'est bien ce qui me semblait. J'aimerais faire une roue arrière, s'il te plaît, le jeu. Ça va, ils ont pas trop abusé. Ok, alors, comment on se débrouille? Bourrine, allez. Oh. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Caméra tricks et tout. Waouh. Oula, oula. Ça passe. Hop.
Moi, je suis un putain de fou, moi. Oh oh. Du coup, je suis en marche arrière. Bon, bref. Je suis arrivé. Alors. Ça a l'air d'être discret. Ok. En fait, on ne pouvait pas être discret. Ceci était la blague. Bon, cette fois, on va essayer de pas faire bugger le jeu. Je sais pas pourquoi il a bugué. Bref. Comment on fait pour... D'accord. Je suis bien d'accord. Oh putain. Voilà. Point de livraison 2 km. On va essayer de revenir sur la route. Bon, en même temps, un tank comme ça, je vous avoue que ça passe pas inaperçu. Il se pourrait qu'on se fasse repérer à une échelle... Hey, camion! Vilain camion. Bon. Vilain quad. Ah, ah non. Le coin de l'invincibilité. Oh oh. Tu te calmes, hein. Bon. Lui aussi. On va s'amuser, hein. Est-ce qu'on... Non, on peut pas péter le pont. On n'est pas sur un jeu avec une expression. Désolé, monsieur. Par contre, lui... Ah oui, j'ai la Gatling aussi. C'est intéressant, ça. Est-ce que j'ai un peu d'ennemis derrière? Ah non. Putain, regardez le mec en haut, là. Bref. Toi, tu me gênes. Alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas très résistant les camions ici. Hein. Ah, ça manque de... Attention, je passe. Ah, on vous avait pas prévenu? Désolé. Sur... Oula. D'accord. Bon, va les gens. Alors, je vais encore cracher. Donc je pense que c'est intimement lié à cette mission. Hein. Donc on va juste espérer que ça ne bug pas, et si ça bug, bah on va changer de mission. Hein. Mais si jamais ça ne bug pas, on finit cette mission et on en restera là. Ah par contre toi tu me fais particulièrement chier parce que je peux pas te tirer dessus. Tu vois? Surtout que t'essayes de tirer sur un truc blindé. Oh là Ok. Oh, regardez un gros camion là-bas. Attendez. Putain mais la cadence de ce truc c'est n'importe quoi. Regardez. Attention. Ah. Saleté. Oh le truc il a bugué. C'est là qu'il y avait le pont rigolo. Bon cette fois on va virer les trucs devant hein, parce que c'est pas très pratique. Oh si ça va en fait. Bon c'est là que ça a craché. On espère que ça crache pas. Je sais pas pourquoi ça a craché. Je pense que c'est à cause du record. Ah attention. Il faut pas passer. Alors toi tu sais quoi. Hop. Voilà. Hop. Ah mais attends mais c'est des copains. J'arrive pas à le toucher bordel de merde. Le point de livraison 700 mètres. Ah ça passe. Hop. Wouhou. Alors. Ta-ta-la-ta-la-ta-la-ta-la-ta-la. Wouah. Home run. Attention. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est le pneu, il m'a bloqué. Ah oui d'accord, il devait y avoir un truc invisible parce que... Ouais le mec, je... putain vous avez vu que j'ai arrivé à la carcasse. On a fait un putain de home run. Yeah, fuck yeah. Oulala. Oh putain, c'est passé juste hein. Je vais faire quoi avec ça? Livrer l'automitrailleuse. Attends, il y a des petits bonhommes là. Bon, cassez-vous. Putain, l'autre il passe devant le missile quoi, t'y crois? Bon. Ah, descendez du véhicule. D'accord. Effectivement. Ah. D'accord. Bon, bah, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas trop foutu le zbeul. Moi, je trouve qu'on est plutôt. On est plutôt bien là. Faut que... Attendez. On n'est pas des vilains quand même. Ah, ah bah si on est des vilains. Ok, il a dû me dire que j'avais des nouveaux équipements. Attends, attends. Non, mais... Non. Attendez, deux secondes. Attendez. Lui... Toi, t'as envie de me tirer dessus? Tu vas rester longtemps avec moi, je te jure. Bon. Ah bah non. Le jeu a décidé de me troll jusqu'au bout, je crois.
C'est-à-dire qu'il avance pas ce camion. Oh, attendez, une voiture tunée tuning. Toi, tu vas venir avec moi, que tu le veuilles ou non, bordel de merde. Voilà, à la Mad Max. Ou la Ulysse, ou comme vous voulez. Hein. Ça, alors là, là, en termes de sadisme... Ah merde, il a explosé. Bon, en termes de sadisme... Oh, un saut. Attendez, attendez, faut qu'on se laisse sur le saut. Faut qu'on se laisse sur le saut, y a pas moyen. On est obligé. Et en prime, peut-être avec un mec sur le toit. On verra. Bref. Là, en termes de sadisme, on était pas mal. On va voir ce qu'il est devenu du petit Roger. Il a dû se faire... Ouais, il reste que son arme par terre. Aura-t-il un volontaire? Toi là-bas, t'es volontaire, je le sens. YOLO! Lololo! Lololo! J'espère qu'il va pas craquer. Ne craque pas, 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 ne craque pas. Merde, il a craqué! Oh, il est pas rigolo! Recule. Je pense que c'est quand il meurt en fait qu'il craque. Hop. Tac, 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 tac. Allez. Non, oh, bah, c'est pas rigolo. Hein. Fais le saut quand même. YOLO. Oh, 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 putain. Bon, bah, c'était très rigolo, hein. Moi, je me suis bien amusé. Ah, j'aurais bien voulu trouver les éoliennes. Je me rappelle qu'il y avait un sacré bug avec les éoliennes. Malheureusement... Ah, attendez. J'allais dire, je ne sais pas où elles sont, mais en fait, si, je sais où elles sont. Ah, je suis désolé, la vidéo va encore durer, mais j'ai envie de vous montrer ça. Si on arrive à le faire, ça peut être rigolo, donc... on va se laisser... Ah, ah bon, bah j'ai bien fait de sortir, hein, parce que là... Je sais pas si on y va en volant. Bon, allez, on y va en volant, ça... Ça fait des cascades supplémentaires, comme ça. Et je me rappelle où sont situées les éoliennes. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, elle devrait être là. Attendez, l'aéroport est là. Non, là. Ils sont là. Si j'ai bon souvenir. J'aurais pu mettre un frein à main quoi pour tourner. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. C'est passé. Oh, faudrait voir si on arrive à tirer une bagnole en avion, si je sais plus si c'est possible. Je sais qu'en hélicoptère on pouvait, mais là j'ai peur qu'un mec ce serait possible. On pourrait même voler comme ça comme ça et attacher le mec en volant. Mais ça demanderait pas mal de skill quand même. Oh, on pourrait voir avec un bateau aussi. Il y a pas mal de véhicules hein, dans ce jeu quand même. D'ailleurs ouais, le multi, je sais pas si vous avez regardé la vidéo, d'ailleurs je vous conseille d'aller la voir parce qu'on avait bien rigolé avec Roger à l'époque. Propose en fait gratuitement toutes les... Ah bah regardez, elles sont là les éoliennes. Gratuitement toutes les... Tous les véhicules en fait, c'est en mode libre complètement. Est-ce que j'ai réussi? Waouh! J'ai réussi à l'accrocher. Oh oh. Oh, ok. What the fuck. Bon, en tout cas, les éoliennes se trouvaient bien là. Hein. Maintenant, il nous faut une petite voiture. Une voiture rigole. Attendez, ne dites pas qu'il y a une voiture sur le pont là-haut, ce serait trop beau. Quoique... Ah, ça fait loin quand même. Attendez. Non, c'est une moto, je l'entends. Touché. Pleine tête. En fait, j'aurais bien voulu accrocher une voiture. Une voiture! Non! Reviens! 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 Non! Pas le toit! Putain! Vite! Reviens! Reviens! Il va vite s'enculer! En même temps, vu la tronche de la bagnole, elle n'a pas été faite pour faire les shopping. On va couper le virage. Yes! Allez, c'est parti, c'est par là. C'est par là, c'est par là.
Ouais, ça c'est un espèce de circuit en fait, hein. Maintenant que j'y pense. Ouais, ouais, c'est un circuit. Nickel, j'espère que ça a marché. On va pas tenter 30 000 ans, mais bon, ça nous fera un dernier truc fun si on y arrive, donc pourquoi pas. Ah bah en fait ils font des tours, donc j'avais juste à attendre un petit peu. Hop. Je pense que vous avez compris ce que je voulais faire, hein, déjà avec l'avion. Merde. C'est hyper chaud. Je sais même pas si... Attendez. On doit être trop près, je pense. Oh oh. Bon, on va pas s'éterniser plus longtemps, je commence à faire mon outro. J'espère que vous avez bien kiffé. Oh mais... Non! Oui! Ok. Pas de problème. Donc j'espère que vous avez bien kiffé en tout cas. Ouais, que vous avez bien kiffé. Je n'hésiterai pas à tourner d'autres placards Steam, hein, pour vous montrer un peu l'étendue de mon bordel qui traîne dans mes jeux. C'est un grand kiff. Hein. Donc, si on fait... Ah bon, c'est-à-dire qu'avec la caméra à l'envers, ça ne marche beaucoup moins bien. Ça veut pas, hein. J'espère que vous avez kiffé et donc ouais, je ferai sans doute des vidéos un peu dans le même genre dans pas longtemps. Vu que j'ai plein de choses à vous montrer encore. Oh putain, je l'avais. Ok, bon, on va se prendre un avion et puis on va essayer de décoller et on laissera là-dessus. Voilà. Cette vidéo est bien trop longue. Ça doit faire 30 et quelques minutes. Et je fais rien d'intéressant depuis un moment. Oh, on a gagné ça. C'est cool ça. On peut voir si on peut l'améliorer. Est-ce qu'elle est plus chère du coup? Non? C'est cool ça. Hop, livrage. Livrage, décollage, au revoirage. Livraison à domicile. Bref. Merde. Chaque fois je fais ça. Alors, on va voir si les voitures peuvent voler. Est-ce que tu sais voler, Billy? On y est doucement. Parce qu'elle savent rouler pour l'instant. L'école, 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 l'école. Non, 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 non. What the fuck? Il va où? Reviens. Ah bon? Bah les voitures ne savent pas voler. A plus!